et l'école là. Chaque année, depuis l'époque ça a sonné, la palais de qui époque, la palais de époque rentrer l'école, eh bien, en pile parent dans le pays d'Haïti a gâté tête. Il a posé tête en pile question. Est-ce qu'il est capable de voir tout le monde à l'école? Est-ce qu'il y a un accompagnement de l'autorité? Et surtout, est-ce que toute disposition apprend pour rentrer l'école là passe bien? Émission ça a fait pour répondre à toute question ça. Je vous dis, nous avons avec nous des autorités. Des autorités que le président Jovenel Moïse demandait depuis longtemps réfléchir pour porter solution à toutes sortes de problèmes que rentrer l'école là toujours posé. Qui autorité ça y est qui avec nous jeudi à la profiter saluer c'est ministre éducation nationale qui est Jésus Argentine. M'a salué toutes téléspectatrices téléspectateurs qui a regardé l'émission. Il y a des autres secteurs qui intéressés dans affaires rentrer l'école là, particulièrement programme national cantine scolaire. Nous avons avec nous directrice là. Bonjour madame la directrice. Bonjour Martine, n'a salué tout le monde qui a suivi l'émission ça dans moment. Et puis là nous parler de rentrer l'école, nous parler de circulation, nous parler de machines, nous parler de transport, nous parler de transport scolaire, nous gars avec nous. Bonjour monsieur Pierre. Bonjour madame Chandler. Et bien voilà, donc son bel panel qui pour protéger jeudi à tout éclaircissement, toute solution que eux même ont réfléchi pour permettre que rentrer l'école année ça et bien il passait très bien. Ministre éducation nationale, personne pas saisi si première question et bien c'est à ou même poser à tout seigneur, tout honneur. Mais je dois dire que depuis quelque temps, dans le pays d'Haïti, depuis au palais de la rentrée, tout maman et papa petit sont bien questions, bien première question qui vient de tête et affaire manuel scolaire là, et affaire livre. Qui sont à dire sur ça, Anissa? Bon, pour Anissa, nous sommes capables de dire, contrairement à Anissa, nous avons avancé très bien. Et d'abord, pour une précision pour tous les spectateurs qui ont écouté nous là, qui ont regardé tout, et nous avons dit que l'année de subvention manuelle scolaire, c'est l'État qui payait 70% de prix chaque livre pour parents ou pour petits livres. Mais l'année de dotation, l'État paye tout à l'internet. Donc, dans la subvention, mon achete manuel là, et s'il t'a coûté 100 gouttes, il va le payer 30 gouttes. L'État paye 70 gouttes. Et pour dotation lui-même, c'est l'État qui va le gratis dans toute l'école d'État. Donc, mes subventions manuelles là lui-même, livrées et pour l'école privée et pour l'école d'État. Et Anessa, c'est la première fois dans toute l'histoire de subvention, l'État dépense plus d'argent. Parce que l'IPAGEM dépasse le plafond 600 millions de gouttes. Donc Anessa, l'État dépasse 780 millions de gouttes. Qui ça qui explique ça? Ça qui explique ça, parce que Anessa, tout, nous avons plus manuel. Donc nous ne pouvons pas conduire 1 million. Anessa, nous dépasse 2 400 000. Et manuel, c'est en dotation ou en subvention que l'État lui-même veut subventionner. Mais malheureusement, en Haïti, on a toujours pensé que c'est seul édité qui l'a donné. Donc, on a un paquet d'édités qui ont donné le compte. Par exemple, si on veut citer quelqu'un, on a une édition pédagogie nouvelle, une édition combite, une destima, une collection western manuel, une édition des champs, une action sociale, copie vite, etc. Donc, une pile qui entre là dans le matin, en tapant, par exemple, des gens qui pensent que là où ils ont une édition, donc il y a une édition qui est capable de plus que l'autre. Et à l'ESA, nous devons nous voter dans la question ça. Côté, nous dit l'État n'est pas capable de dépenser toutes plusieurs centaines de millions chaque année pour avoir un bon champ de contrôle. Non seulement à l'ESA, nous mettons des vérificateurs, mais à l'ESA, tout, dans la question Emmanuel et subvention, l'État a lancé un contrat ou très. Très bon. Parce qu'effectivement, ministre, et sans pas couper, et parce qu'on a posé des questions pour nous, qui ont écouté nos journées jeudi, il y a toujours mis tête dans la tête que, eh bien, Livio n'a pas paré à temps, il n'y a pas besoin de Livio sous contrôle. Qui sont-ils à dire par rapport avec inquiétude ça? Bon, Anessa, tout éditeur est déjà prêt, ça ne puisse passer au mois. Très bien. Il y a un seul éditeur qui peut comprendre, parce que lui-même, dans le moment que tout éditeur a signé un contrat, il n'est pas devenu signer un contrat. Parce que l'année, ça va nous voter, qui n'est pas un problème tout, et qui est bon pour l'État, c'est question marché qui est lancée. Donc, longtemps, c'est seulement gré à gré, il est contre. L'année, ça, il y a une partie qui est dans le marché, il y a une autre partie qui est gré à gré, quitte c'est dans la dotation, quitte c'est dans la subvention. Mais, je vous dis à là, depuis le 22 août qui se passe à là, dernier éditeur qui peut avoir un contrat dans le mêlant, il y a un contrat dans le mêlant du mensuel. Et à toute l'aide d'engagement.
Très bien. Donc, ça veut dire que pour question que maman, papa, petit, tu as posé peut-être, est-ce qu'il y a besoin de livre sous contrat avant 3 septembre, livre pareil, il y a besoin de. Exactement. D'accord. Et j'aime te dire, depuis plus passé un mois, depuis plus passé 6 ans éditeurs, qui déjà mettent Emmanuel disponible, non, sous contrat, mais sont seuls qui étaient, et lui-même, personnellement, depuis le 22 août, lui, OK. D'accord. Alors, moi, je connais que il y a des téléspectatrices et téléspectateurs qui sont dans la province, qui sont dans la région. Quand vous êtes tous, je ne sais pas, je vous dis, est-ce qu'il y a même tout, il y a des possibilités, ça? Est-ce qu'ils sont à répondre, même qui sont dans la province, qui sont dans la région? Bon, c'est à travers tout le pays, la subvention, en fait. Mm-hmm. C'est dotation. C'est même question, tout qui est fait pour l'autre question, qui se collait, tout à raison. C'est à travers tout le pays, c'est pas seulement dans le département qui est l'Ouest. Mm-hmm. Donc, c'est à travers tout le pays, ça fait. Et via délégation, direction de la Pontalio, etc. Au fait, bah, ou Mola, qui toujours est posé et question dans les affaires entre l'école, ces mots kits scolaires qui sont réalité tout, que tout le monde me connaît, qui j'en saillais, Anessa. Qui sont qu'à dire sur ça? Bon, Anessa, dans le niveau ministère éducation nationale, et l'État investit en pile dans les affaires kits scolaires, parce que dans le niveau ministère, il y a 198 000 kits scolaires qui déjà là dans le dépôt. Mm-hmm. Donc c'est à bonne coordination qui est capable de faire par FAES, Jean-Zadé Fernand de Bassé, pour le distribuer à travers du pays. Mais nous avons fait rencontre avec des partenaires et techniques et financiers et qui viennent en tête sur UNICEF, qui nous jouent à accompagner tout. Et UNICEF déjà pris engagement pour la distribuer qui se connaît pour nous, avec bien sûr délégation, direction de la Pontalio et autres autorités locales, mm-hmm, dans 7 départements. Mm-hmm. Et trois, il va présent, c'est dans l'Ouest, dans le centre, avec dans l'Ouest. Mm-hmm. Et nous-mêmes, l'État, n'a plus présent dans 3 départements, et n'a présent dans 7 autres pour nous capables capable de distribuer bah, l'autre école qui va joindre. Parce que nous déjà liste l'école qui va joindre, qui se connaît, l'UNICEF, et tout ça qui va là-dedans, l'État va là-dedans, et dans l'autre 3 départements, tout l'État là. Très bien. Alors, on a demandé à l'autre autorité qui l'a avec nous. Permettez-moi de poser peut-être une dernière question pour poser tout ça à la ministre de l'Éducation nationale. Là, côté nous connaissons tous que les affaires entre l'école, c'est les affaires professeurs. Nous mettons accent sur maman, papa, petit, sur Timoun, mais entre l'école, c'est les affaires professeurs. Et qui sont qu'à dire de situation professeure de manière générale et qui amélioration nous essayons de porter par rapport avec toutes les difficultés que nous connaissons qui ont été gagnées, particulièrement dans l'école publique. On nous dit que nous avons loué l'héritage dans l'éducation, dans la question gouvernance système. Mm-hmm. Bon, bien entendu, avant de rentrer d'emblée dans la question, ça, permettez-moi de dire tout que non seulement il y a 190 000 kits scolaires, mais il y a tout 30 000 uniformes d'État convention de Poutine et tout, et avec 12 000 bancs. Et l'année passée, il y a 12 000, l'année passée, il y a 12 000 encore. Donc ça, c'est pour démarrer, mais tout au cours de l'année, il y a l'autre avis. Mm-hmm. Maintenant, pour enseigner eux-mêmes. Très bien. Là, nous sommes arrivés dans tête ministère, bon, les gouvernements n'ont pas arrêté tout. Nous avons, d'après toutes statistiques, statistique, il y a environ 4000 enseignants qui se trouvaient en salle de classe en situation irrégulière. Donc ça, c'était résultat en situation d'anarchie, de mauvaise gouvernance. Mm-hmm. Et aujourd'hui, à là, on en a parlé là, l'État déjà est préparé 5000 lettres de nomination pour enseignants qui étaient en situation irrégulière. Donc, il vient dépasser ce qui est ensemble. Mm-hmm. Nous avons dépensé environ 4 000. À mesure qu'on a pris les dossiers, nous arrivons en 7 000. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il y a 5 000 enseignants qui ont une lettre dans les mains. Et l'autre lettre toujours qui a été homologuée, qui a codée dans la direction générale, puis à Valiol, via la direction départementale. Mm-hmm. Nous devons tout, et d'après statistiques encore, il y a 2700 enseignants qui ont une lettre dans les mains depuis 10 ans. Mm-hmm. 2, 3, 4, 5 l'année et plus. Qui n'a pas jamais touché. Et nous sommes arrivés et payer 2500 euros. Mais là, nous venons traiter tout le cas, nous venons de dépasser 3000. Ça qui est, 2700 euros, c'est ça qui était régulièrement enregistré dans les ressources du ministère ou bien calé dans la finance comme avec avis financier. Mais nous venons de cas à côté, dans pile ancien qui est l'être en main, l'être, ça n'a pas enregistré aucun côté. Nous sommes aux lettres là, pour apaisement politique peut-être. Mais pas de gain financier qui fait pour nous. Et c'est ça que je dis à là, jusqu'à présent, de quelques dizaines d'enseignants, chaque fois nous joignons, nous prenons l'aide de nomination quand même, nous préparons l'arrivée financier pour une finance. Tout récemment, même dans la zone nord, pays d'Haïti, nous découvrons un enseignant qui nommé depuis en 2002, qui ne peut pas jamais toucher. Et il ne peut pas jamais toucher tout, si nous allons aller découvrir pour nous prendre l'aide qu'il y a pour nous préparer l'arrivée financier pour une finance. Mm-hmm. Ou après, par exemple, dans 5000 nous nommés là, dans pile là,
avant l'être là, il vient en mer, il aurait été touché. Parce que nous prenons soin, pendant la prédiger l'être là, ou avant l'approuver, à vie financière également en finance. Donc, je dis à là, donc, pas de table de toucher. On sent ça. Très bien. Donc, est-ce que ça veut dire que, malheureusement, est-il tension que nous connaissons pendant l'année scolaire, en rapport avec le professeur qui compte plein rien, etc. Est-ce que ça veut dire que nous prenons année ça toute disposition déjà dans le début, dans l'entrée l'école là, et bien, pour le professeur même, je sentis à l'aise, je sentis confortable pour pas gagner tension ça au cours de l'année? Depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire mois, puis au niveau de l'État, grande rencontre déjà faite pour porter solution à problème ça. Il est vrai que ce sont des rives qui sont dans le système. Pas de gouvernance là-dedans. Je dis à nous dit qu'il faut des gouvernances. Nous prenons des précautions, des mesures drastiques pour nous capables de résoudre le problème ça. Et c'est ça que je dis à là, nous dit qu'il y a 5000 qui ont des lettres de nomination dans l'année. Et immédiatement après tout, nous allons passer dans toutes les écoles à travers le pays. Parce que d'après le constat que nous faisons, d'après l'enquête que nous avons déjà menée, il faut l'école l'État, notamment le lycée, nous avons plus d'enseignants qui savent à nous gagner. Comme je dis, il faut augmenter le pack scolaire, nous allons prendre plus fort dans ça, qui en supplie dans notre lycée, pour nous mettre, pour nous créer de nouvelles classes. Parce que nous connaissons avec 15 nouvelles salles de classe, le président a pété là pour augmenter le pack scolaire ici, pour permettre tout le monde dans le pays d'Haïti, pour ne pas être ni dans la rue, ni la caille, ni dans l'école, donc il faut plus de salles de classe. Et bien, on a besoin de plus d'enseignants, tout, mais nous avons plus d'enseignants, on dit, qui en suivent lui-même dans son marché. Mais une de nous sommes capables de faire constat dans le résultat examen l'État, c'est que tout département, côté Timounio, qui a perdu en plus de jours de classe, si vous même en baisse dans le résultat. Et nous pouvons vous dire que, et ça nous est le temps d'apprentissage là, nous avons plus d'influence sur le résultat Timounio. Donc c'est ça que nous-mêmes, nous prenons plus de précautions pour nous capables de résoudre le problème, non? Parce que l'enseignant a des problèmes avec l'État. Donc c'est avec l'État pour que ce soit réglé. Mais c'est pas si nous, nous, par envoyer l'école là, pour aller mettre dans la rue, et même nous a fait bon dans l'état casé, chaque fois on a fait 12 000 bancs, 6 000 bancs, ça c'est justement, et pas de gouvernance dans l'école, tout. Parce que les wap qui des timouna apprend et mettre dans la tête lui, mettez bon l'école là dans la rue, alors que c'est banc à servile. Donc nous disons nous-mêmes, aujourd'hui, là, sont l'État responsable, qui prend engagement pour résoudre tout problème enseignant, et l'on peut l'imposer, ou bête poser avec l'État, mais c'est la team Mounio qui pourrait être victime dans cette situation. Et enfin, et affaire frais scolaire là, nous connaissons affaire frais scolaire là, c'est tout le monde pour parents qui sont à dire nous si ça fait ça, Anissa. Bon, nous déjà pour plusieurs circulaires dans ce sens. Très bien. Par exemple, pour le lycée, nous disons, un monde qui est dans le lycée, il n'y a pas payé plus parce que 1000 gouttes pour tout l'année. Et dans 1000 gouttes là, tout le monde est là-dedans. L'école, il y a un prétexte, nous faisons l'argent, c'est la banque. On l'a jeune dans l'école là, la paie des clients, la paie 4, etc. Dans 1000 gouttes là, tout bagaille la donne, on si moun qui nous lycée, ou paye 1000 gouttes, c'est pour toute année là. Et dans 1000 gouttes ça, nous déjà pour répartition, des 20% là dans le cap déposé sous compte, direction de la comptable là, de manière pour le faire intervention, les interventions pour faire dans l'école quelconque, des 20% direction lycée pour le capable nettoyer le lycée, mettre couche peinture, et nous déjà fait rencontre avec tout directeur lycée qui recevra l'autre ça, et puis reste là la place pour fonctionnement lycée, pour déplier tout le bagage pour tout année. Donc ça qui est et important. Pour qu'on t'a souligné tout ça, c'est très important. Maman doit payer, faire obligation à l'État pour payer l'école pour tout le monde qui sorti dans la première année ou dans la sixième année. Et aujourd'hui, à la Nantes d'Haïti, nous avons 780 000 personnes qui trouvent dans la situation ça. Dans la première et la sixième année. Mm-hmm. Et bien, qui ça l'État fait? Oui. L'État, avec question, qu'on a déjà parlé longtemps à la Chapsibo, avec trésor public à tout, l'État déposait 400 gourdes pour chaque grain de Simon qui est dans l'école l'État de la première année à la sixième année. Et en plus de ça, l'État prend engagement de ça pour accompagner en pile l'école, notamment l'école protestante défavorisée, l'école presbytérale, l'État mettait et créé tout 55 scolaires, parce que nous toujours dit tout se joue avant 6 ans. Donc je dis à là, nous dit l'État prend engagement pour accompagner tout le monde petit. C'est ça que fait depuis quelques mois là, et pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, on puis pour le de la petite enfance qui est en expérimentation. Et il y a plus tout qui baille à 779 000 tout le monde qui trouveraient parmi 4 millions tout le monde qui l'école en Haïti aujourd'hui. Il y a 779 000 qui sont au niveau préscolaire. Donc, c'est tout ça que nous prenons et nous allons mais pas seulement protestantes ou bien catholiques, etc. Peut-être communalio tout. Et communalio, et tout, et toute l'autre école. Parce que les affaires subo qui sont faites dans l'école privée, des écoles mal faites, bien que ce soit un bon programme, mais qui est mal organisé, je dis à l'État prend, le mettre dans l'école d'État, et avec ça, la construit plus d'écoles
la réhabilité. Parce que déjà, nous déjà réhabilité plus passé 700 écoles. Et nous avons près d'une centaine de chantiers qui en cours actuellement là, et grand pile qui pète pour immobilier. Par exemple, comme nous dans l'Ouest là, on sait des lycées qui étaient frappés par 12 janvier, tant que lycée Maljeanne, lycée des jeunes filles, nous avons pas de sciences humaines, tout marché sont déjà lancé par BMPAD pour reconstruire lycée ça. Et nous avons lycée tout le temps pour Jean-Jacques, qui était trouvé dans une très mauvaise situation. Dans le budget, nous parlons de ça, nous mettons le lycée Jean-Jacques. Mais, au niveau d'État, il y a une grosse démarche qui a fait pour avoir un bon espace pour mettre le lycée. Parce que l'espace contre le lycée Jean-Jacques Théria, son espace va même qu'à construire un petit école nationale, alors que son lycée était là. Donc, on cherche un bon espace pour construire un lycée qui a semblé avec nous, Jean-Jacques Desalines. Très bien. Alors, pour nous parler avec le ministre de l'Éducation nationale, là, c'est à certainement toute une heure, tellement on connaît qu'il y a des dispositions, des mesures qui prennent au niveau par, au niveau ministère pour là, pour rentrer l'école là, lui passer bien. Mais on va permettre, moi, retourner justement vers un autre ministre qui est très impliqué tout dans les affaires rentrer l'école là, qui c'est le ministre Jeunesse à Sport, Madame Régine Lamure. Pour que ça nous invite dans le panel ça, eh bien, c'est parce que depuis quelque temps, le ministère pour là, il est en charge, on va dire qu'il est important de rentrer l'école là, qui c'est justement brigadier qui déployait tout côté, eh bien, pour permettre, si vous voulez, même, de circuler très bien, sans danger, avec un pile protection, et sous route l'école. Est-ce qu'on a dit nous, ministre, et qui disposition qui prend à Nessa, justement, pour brigadier, lui accompli rôle? Merci. En effet, ministère Jeunesse avec Action Civique, dans le cadre de sa direction, Action Civique gagne et brigadier, que nous former, non seulement pour accompagner Timounio, le traverser la rue, mais également dans toute capable de disposition qui vous prend là. Ministère Jeunesse pour Action Civique, encore une fois, mobiliser tout effectif brigadier que nous gagnons. Dans la zone métropolitaine, nous gagnons un peu plus de 500 brigadiers et au niveau des directions départementales, nous gagnons des appelés au service civique qui ne sont pas encore des brigadiers, mais qui recevoir et même formation avec brigadier. Donc, qui ça brigadier ça vous fait? C'est que, en général, ils créent une certaine sensibilisation, ils aident des timons de traverser la rue et également les chauffeurs et machinaux pour être capables depuis au week que gagner un brigadier pour camper. Donc, pour nous capables de faire travailler ça beaucoup de manière efficiente, nous toujours avons une série de séances de sensibilisation que nous faisons avant de rentrer l'école. C'est ainsi que, semaine ça, le 31, quelques jours avant la rentrée scolaire, nous avons gagné à travers zone métropolitaine et quelques régions et au niveau des provinces et des séances de sensibilisation côté que brigadier a déployé à travers les rues et on va parler avec chauffeur sur l'importance qui vient dans la circulation et respecter Timounio et pas boire s'il a conduit, respecter brigadier à tout parce que en général c'est brigadier il vient avec stop sign là, donc ouais, habillé en jaune tout à fait. En général tout nous connaissons avec un stop sign qui vous dit que tout le monde a besoin de traverser. Donc, c'est créer et capable de dire, ou bien réveiller conscience ça, et caille chauffeur, chauffeur moto, chauffeur machine, et tout jeune cap qui n'en a rien, tout pour connaître que rentrer scolaire n'a pas le fait, et que, et pas le commencer sous peu. Donc, faut que respecter les vieux, bien des langages, tout, des fois, et tout le monde a monté machine, non, pour être capable de connaître, ou bien tout le monde a machine, non, qui ça pour, et dit, qui ça pour pas dire, pas boire, soit conduit. Donc, et c'est la continuité en ce qui a trait à travail brigadier et ministère Jeunesse pour l'Action. Donc, nous comprenons que dans séance qui pourra le faire bien avant rentrer à, justement, pour brigadier eux-mêmes, y'a parler avec chauffeur, etc. Mais moi-même, en tant que justement, citoyenne, et qui a circulé, et dans le pays, particulièrement la région métropolitaine, pendant l'école, et moi constate effectivement présence brigadier, mais moi constate qu'on y a des fois, et entre sa brigadier au moins des faits, et sa police, circulation lui-même qui est dans la zone l'entour, au moins des faits, il y a des fois, il y a des petites contradictions. Est-ce que, nous-mêmes, nous sommes au courant de problèmes ça, et est-ce que pas des rapprochements qui vont avec circulation, police et circulation pour une meilleure entente par rapport à travail tout important que de monde ça a fait dans la rue? Bien sûr, nous au courant de ça, et c'est ça que fait nous toujours apprécier le travail pour éviter des fois la cacophonie dans les interventions. Et semaine ça, et gagner responsable direction activité action civique, l'excusez-moi, qui pour rencontrer avec service circulation, justement pour dire, mais qui disposition que nous-mêmes au niveau de ministère là nous prend, mais qui j'en brigadier en travail, et pour nous dire ça pour connaître, nous-mêmes, nous avons même des dispositions spécifiques que nous prenons, la bien bon pour brigadier eux-mêmes, de façon à ce que ce n'est pas deux messages qui passent, de façon à ce que tout le monde s'est même engagé à parler pour éviter un cacophonie.
Très bien. On a parlé tout de ça, nous constater, les nouvelles brigadiers, il y a des fois, présence scolaire, est-ce que nous faisons travail ça à l'année, est-ce que nous rafraîchissons, nous faisons édition, de qui côté nous mettons et pour qui ça nous choisit l'espace ça. Oui, et vous connaissez que j'aime vous expliquer, nous avons un peu plus de 500 brigadiers dans la zone métropolitaine. Mm-hmm. Et l'idée aussi, c'est d'arriver à augmenter l'effectif de brigadiers parce que c'est absolument nécessaire et il faut que nous disions que le ouais, travail que brigadier a fait, il y aura un compte que il est nécessaire pour nous faire sur tout le territoire, dans la même envergure de la zone métropolitaine. Donc, pour les zones choisies, bien sûr, ça, il y a des études qui sont toujours faites souterrain, parce que nous toujours bien brigadier tout souterrain, il y a des superviseurs aussi qui accompagnent, parce que c'est pas seulement mettre mon nom en côté pour faire travail, mais mon supervision qui est là, qui peut assurer que ça, nous, même message que nous passons dans la formation, nous faisons effectivement. Donc, il fait en base à affluence, il fait aussi des fois, par exemple, si pas de grande affluence, mais nous remarquons que quand on a des plaintes, parce que les parents, ils tout qu'on plaint, le petit monde arrive dans un grand carrefour, il n'y a pas de gens pour le traverser. Oui. Donc, c'est au fur et à mesure que les dispositions ils prennent. Nous avons, par exemple, des artères au début qui ne va pas gagner brigadier, mais après une ou deux semaines, en voyant la situation, nous mettons brigadier là-dedans. Et vice-versa aussi, parce que faut que nous disions que sensibilisation, c'est un continu que lié, et que ce soit à travers un message que nous baillons chauffeurs, mais nous n'avons pas l'action civique tout. On a essayé de sensibiliser tout le monde autour pour nous comprendre, même pour qu'ils soient brigadiens là, pour ne pas peur les brigadiens arriver sur le tour, leur besoin de traverser la route, pour nous faire parler avec. Donc, c'est un travail continu qui fait en collaboration et avec en pile jeune, l'école autour, la majorité des fois, parce que brigadiers sont placés tout près. Et côté bien plus l'école. Donc, même l'école, là, qu'on est tout, de tout parler avec jeunes, là. Donc, en ce sens, son travail continue. Et nous continuons à continuer et attendre à ce que fait nous qu'on est tout, parce que c'est toute critique constructive et toujours bienvenue, et pour nous capables d'améliorer, les arriver à faire toute couverture que nous-mêmes, en tant que l'État, nous supposons. Très bien. À poser, nous, quand même, deux dernières questions avant de rejoindre de l'autre intervenant, de l'autre autorité qui est là avec nous tout. J'aime dire tout à l'heure, les téléspectatrices et téléspectateurs certainement qui en province, qui a regardé nous et qui a posé cette question, est-ce que justement brigadier a surtout déployé en région métropolitaine? Non, dit nous non. Et mais monde qui a déployé en région, il y a parlé les brigadiers. En fait, nous les appelés au service civique pour qu'ils soient différents, mais il y a même une forme avec brigadier. Et qui côté à pied justement et qui travaille eux-mêmes, il y a bien pour y faire et par rapport à grande ville qui pas Port-au-Prince mais voilà. L'autre grande ville qui est dans le pays d'Haïti. Alors faut que moi dit que ministère jeunesse pour action civique répartit sur tout territoire nous avons 10 directions départementales à part en l'ouest qui ont direction départementale. Donc à travers de grandes villes ça y a une direction départementale nous gagnons pour ça nous dire appeler à la différence des brigadiers qui de manière continue et c'est pas non période qu'on utilise seulement, à la différence de appeler, c'est par exemple d'entrer l'école pour créer sensibilisation. Très bien. Souvent, ou bien on alerte de désastre et pour faire appel à et appeler à. Justement parce que il n'est pas régulier sous payroll et ministère, mais il recevra même formation avec brigadien. Tout ça, brigadien recevra, appeler à recevoir le tout et il y a même uniforme dans tout et il gère directement par direction départementale. Donc, et bien entendu, l'idée, j'en disais, c'est arriver à augmenter l'entité que nous gagnons au niveau des autres directions départementales, mais par ailleurs, il faut que nous gagnions toute assurance que même travail et brigadier après dans une métropolitaine, c'est lui-même tout qui est appelé au service civique dans l'après. Donc, c'est plus, beaucoup plus, plus qu'on bénévolat au niveau et des directions départementales parce qu'il n'y a pas régulier, mais c'est même formation, même message de sensibilisation qui gagne. D'ailleurs, à chaque fois que nous avons organisé ou bien quelque chose, ça nous gagne au niveau des directions départementales, sur les routes aussi, nous toujours utiliser brigadier et appeler au service civique pour toujours là, pour les gens ralentir. Donc, c'est même bagarre. Très bien. Et enfin, si par exemple, un citoyen ou bien un citoyen et constatons bagarre une amélioration que le temps aimé est porté ou bien le temps aimé partagé comme conseil à travers le ministère pour là par rapport à l'activité brigadier ou bien appeler au et dans la rue, est-ce que nous mettons un mécanisme pour nous joindre ou bien nous parler avec brigadier directement? Qu'est-ce que ça nous prévoit dans ce sens-là pour une espèce d'échange?
entre monde qui a pu profiter de service ça que brigadier avec Apira Poufri et qui au même temps aimer partager et justement expérience par le conseil va. Est-ce que nous mettons un système échange ou bien est-ce que le parle à brigadier comme ça? Bien sûr, justement considérant que c'est brigadier et appelé qui dans la rue, donc c'est beaucoup plus facile des fois automatiquement que monde ta ouais en situation mais on bagarre que temps mais parler pour aller côté brigadier. Ce qui est dit aux différentes personnes qui est parti dans Ortelio parce que Jean Joan nous toujours bien des superviseurs très bien là. Par exemple, depuis question venue que son information additionnelle qui peut être pas rentrer dans ça que brigadier vient pour le faire de manière journalière, le superviseur est là. Très et bien. C'est ça qui fait gagner des formations continues, gagner des réunions qui toujours à faire avec brigadier, des fois tout on doit ouais parce que quand il y a erreur côté que gagner une série de petits laisser aller et c'est mounio justement qui fait nous connaître dans telle hauteur, il y a tel brigadier ou bien un groupe de brigadiers qui peut-être à telle heure ou bien pas là ou bien. Donc justement parce que vous connaissez des heures bien spécifiques pour travailler brigadier scolaire en fait. Donc nous capables parler avec brigadier, nous considérer que il beaucoup plus capable dire beaucoup mieux que c'est monde qui sous place là. Au lieu qu'on dit reler dans téléphone ou bien pour aller dans ministère alors que bien brigadier là chaque jour. Donc nous t'arrêmes tout à travers et Nicolo Dio nous toujours là, ministère là toujours là disposé à attendre parce que le travail que brigadier l'État supposé faire travers brigadier c'est avec et tout critique constructive tout bagage qui est capable d'améliorer pour nous avec mais fait tout à fait l'école assure. Bien entendu, le ministère voilà, il y a une équipe l'autre activité, on équipe l'autre planification pour toute année scolaire. Là, mais émission journée aujourd'hui a surtout parlé de actions précises par rapport à rentrer l'école là, certainement que à travers différentes prestations et dans l'autre média on est capable d'expliquer un peu plus qui ça pour la jeunesse, pour ce pour action civique qui ça planifié, mais l'essentiel c'est rassurer mon yo que brigadier a là et que yo sensibiliser et que a fait travail encore une fois pour rentrer l'école à Nessa. En effet. Très bien. Alors, là, on a parlé de circulation, on a parlé de brigadier, on a parlé donc de mouvement, non, qui là depuis quelque temps dans le pays noir et qui a fait un travail immense qui permet justement écolier pays noir, eh bien, pour pas marcher à pied seulement, eh bien, pour rejoindre un transport scolaire gratis, eh bien, pour sortir d'un point en ou l'autre. Est-ce qu'on a dit nous, directeur Pierre, et qui est-ce que Boussio paraît pour entrer l'école là, Anessa, qui ça quoi le fait? Pour rentrer l'école là, cabinet là, on a paré 200 autobus d'unité pour programme qui gagne dans tout pays. Très bien. Nous gagnons dans tout pays, dans tout département. Et année ça, rentrer ça à nos bras le faire, c'est 23e rentrée que d'unité. Avec une grande expérience. Nous avons expérience là, après 23 ans. Nous connaissons vrai qui gens ça fait et qui gens pour nous faire. Nous dans tout pays avec 200 autobus que nous avons mis à point là actuellement. Nous dans tout pays sauf quelques rares communes qu'on y a une quinzaine peut-être environ qui pour qu'on ait un programme de transport scolaire là. L'année dernière nous avons fait un bon coup. Côté nous ouvrir d'unité dans 10 nouvelles communes. Nous espérons que Anessa n'a pas possibilité de couvrir peut-être toutes 15 dernières communes qui pourront gagner un programme dans la Caïroa. Mais déjà, nous parions là pour nous rentrer le premier lundi de septembre. Avec parlez-nous de 23 années d'expérience et peut-être bien des téléspectatrices à téléspectateurs qui pour qu'on finisse connaît en fait qui gens et transport scolaire ça a fonctionné et surtout qui est-ce qui bénéficiait de eux et qui gens peuvent bénéficier de transport scolaire ça. OK. Programme non. Tout petit monde qui prend l'école habilité pour participer là-dedans. Il fut un temps il était qu'on payait une contribution. Mais depuis quelques années programme n'a déclaré gratuit, pas gagné rien du tout pour Timon de payer, pour bénéficier. Il suffit que Timon de l'embarqué nous capable de justifier que c'est élève qui prend l'école. Est-ce que y a une différence entre école publique avec école privée pour Bussio? Non. Depuis création d'unité, pas jamais une différence. Élève qui prend l'école privée, tant qu'élève qui prend le lycée, l'école nationale, tout le monde habilité à bénéficier du programme.
Et ça, aussi bien à Port-au-Prince que dans la ville de province côté la base. Mais est-ce que ça veut dire justement que n'importe qui, petit monde qui vient avec l'uniforme, li, qui vient sac l'école sous le dos, sous boîte à lunch, li, il y a un bus, il doit monter dans le bus là. Est-ce que c'est comme ça que bagarre la fête? Et li habilité à gagner accès du moment que l'autobus là gagne place. Li pas rentré à bord autobus là n'importe qui, gens, parce que nous avons une équipe monde qui fait travail là. C'est ça, nous, elle est la dignité personnelle des opérations. Très bien. C'est chauffeur qui a conduit l'autobus là. Nous avons à bord un monde que nous, elle est monitrice, qui c'est une espèce de professeur, nous t'a dit, parce que nous considérons l'autobus comme une salle de classe. Nous gagnons tout le monde qui accompagne autour pour assurer discipline, non, parce que le fait que le programme n'est gratuit, c'est nous en pile pour nous transporter. Très bien. Et souvent, toute quantité d'autobus là, les gains ne sont pas suffisants. Donc, faut que nous gérions aussi bien à bord d'autobus là, que en attente côté yé pour autobus. C'est ça que fait, en plus de monitrice que nous gagnons à bord d'autobus là, qui a géré en dedans d'autobus là, nous gagnons des agents de discipline, inspecteurs et superviseurs, les mêmes qui a géré l'empoint d'attente, yo, qui c'est point d'embarquement, yo, et tout l'empoint de débarquement. Yo. Parce que l'œil au débarqué, non pas débarqué Timonio devant l'école yo, précisément, il faut que nous gérions au tout côté nos météos de telle sorte que nous sommes capables d'orienter au Kounia vers différents établissements scolaires. Depuis, nous avons parlé de bus, nous avons parlé de transport, nous avons parlé d'embouteillage, nous avons parlé de trafic qui vraiment, qui, alors, dans l'autre émission, nous avons pu recevoir justement l'autorité qui en charge partie ça, à notre école là, mais nous n'avons pas capable de recevoir pour ne pas demander au directeur Pillard, bon, et qui j'en ai essayé d'approcher et problème ça pour que nous n'avons pas arrivé en retard dans l'école. Yo. L'école a commencé à travailler à 8 heures en général. Et tout côté dignité, 5h30, nous commençons à sortir dans la rue, à chercher Timon. Ok. 5h30 du matin. 5h30 du matin. Très bien. Si nous prenons le cas de Port-au-Prince, il fut un temps que sous certains circuits, nous avons fait 3 allers-retours avec chaque autobus. Sous différents circuits que nous avons fait le et nous avons débarqué Timon sous grand terre d'embarquement et de débarquement, nous, qui c'est Jean-Marc. Imaginez que nous faisons 3 voyages avec chaque autobus, volume du monde que nous sommes capables de faire. Ouais. Mais, j'en ai dit à vrai, il y a une pile de difficultés pour nous circuler maintenant sur différents circuits. Et pratiquement, c'est tout circuit qui a un problème. Ça. Imaginez que Port-au-Prince, côté nous y est là, nous avons des difficultés pour nous bailler tout le monde carrefour au service. Parce que nous pas capable d'aller facilement carrefour et revenir. Nous avons des difficultés pour nous bailler tout le monde quoi des bouquets au service. Parce que faut que nous soyons capables d'aller quoi des bouquets, retourner en ville et puis retourner encore quoi des bouquets. Mais c'est des problèmes tout que toute instance qui concerne eux a réfléchi sur eux. Et pas demain même, gagner une rencontre qui est prévue sur le dossier ça et certainement n'a gagné une belle amélioration nous espérer en cas de difficulté ça qu'on a fait face. Pas oublier que m'a prend place tout citoyenne à citoyen qui a gardé nous et qui a dit des fois et peut-être que pas trop satisfait de gens et chauffeurs bussio à conduire dans la rue etc. Est-ce que et il y a des formations qui fait pour eux, il y a des mises à niveau qui fait pour eux, il y a des conscientisations qui fait pour faire comprendre que c'est des petits mouns que a conduit, est-ce que nous tenons compte de l'aspect ça à tout la dignité? Ah oui, chauffeur nous toujours dit yo, c'est pas le fait que a opéré un matériel immatriculé service de l'État qui ba yo un privilège dans la vie. Yo c'est des usagers de la voie publique tant pour tout l'autre usage. Respect règlement et circulation. Et yo prend sanction régulièrement tout l'armée policier qui dans la rue yo le yo gain mauvais comportement yo prend observation tout l'en direction dignité a chaque fois que il est clair que yo gain mauvais comportement évidemment si moun yo même qui a bénéficié de service là ça arrive tout que yo même encore yo capable cause de certaines déviances. Oui. Mais, Jean nous dit, après 23 ans de service, nous on y veut gérer. Très bien. Eh bien, merci en pile, DGPA. Je ne bagaille tout, l'entrée de l'école, je ne bagaille, elle a parlé de Timoun qui à l'école.
et bien c'était MCS, Programme National de Cantine Scolaire. Nous avons avec nous directrice générale là, que nous connaissons, nous faisons des rencontres avec lui, nous connaissons tout, que, eh bien, direction ça, de guerre, hein, sont capables de mettre moins utilisation de mots ça, directrice, par rapport à rentrée scolaire là. Est-ce qu'on a dit nous, directrice, qui soutient, qui ça qui parlait pour Timoun eux-mêmes, pour année scolaire ça, de jouer nos plats manger à l'école? Et combien de Timoun que nous prévoit, bah, plats manger ça, année ça? Bon, merci, Madame Martine. Et que programme national cantine scolaire, nous prêts, nous parés pour vertu l'école là. Et sous l'ordre formel, sous l'instruction formelle du président de la République, ainsi que mon ministre de tutelle, M. Pierre-José Agenor Kader, qui est avec nous, sous panel là. Et tout le monde connaît ce 7 juillet, événement qui est passé, comment profondément PNCS était secoué. Et mais nous, profiter espace ça pour nous dire et directeur l'école yo parents yo yo pas besoin inquiéter yo que PNCS pour le bail un service qui est meilleur plus efficace par rapport à l'année passée. Madame Laguerre nous t'a dit justement je deux mois que nous connaît que et direction de guerre et est-ce qu'on a dit nous justement qui ça pour nous attendre, est-ce que par exemple les 3 septembre sont les bien et combien de monde qui est capable de voir plat manger ça dans qui côté dans qui zone et est-ce que nous sentis que nous même nous parait pour ça? Oui, nous parait par rapport à l'année passée nous avons gagné 273 110 tout monde à un effectif de 875 écoles. Année ça, nous avons une programmation de 350 000 à 1190 timoun. Non seulement effectif l'a augmenté, service l'a augmenté, qualité de service l'a augmenté, si vous attendez Jean Président dit là, et nous gagnons une modalité qui claire, côté que nous allons joindre et organisation paysanne pour que nous entrions exactement avec Sanoré les productions et national là et produits et des produits locaux et pour nous baïtimonio manger de qualité. Et nous gain de programme de pilote tout et gain deux zones qui très difficiles et par rapport à grandes villes des zones reculées côté que nous gain un programme et snack côté que timon ça yo c'est deux timon qui marchent des heures pour venir l'école. Nous avons et un premier repas qui sont snack et puis à 11h pour midi n'a pas au plat chaud. Nous pensons qu'il y a de gros efforts et qui fait pour que de plus de monde qui ait accès à un plat chaud parce que nous pas qu'à parler de éducation de qualité sans nous pas tenir compte de santé nutritionnelle de monde. Est-ce que de monde en bonne santé pour que lui apprenne l'école? Ça c'est une préoccupation. Et nous-mêmes comme responsables pour que chaque petit monde et surtout l'école publique ait accès à un plat chaud. Très bien. Donc ça veut dire que quelque part et nous sentons nous pratiquement parés et est-ce que nous pensons n'a pas atteint l'objectif nous ne serait-ce que pour rentrer l'école en septembre? Ah oui, justement, nous dit nous prêts, nous parés et nous fait toute mise en place comme institution responsable pour que nous démarrer l'école là avec force et j'ai tout le monde à espérer là, j'ai tout le monde à prendre dans tous 10 départements, surtout dans des quartiers défavorisés, tout le monde qui est en situation difficile, nous l'humain projecteur nous et avec un pile motivation vers tout le monde. Nous pas qu'un beau trois parce que nous avons un dernier round pour nous demander tout le monde en fait qui dernier mot par rapport à rentrer l'école là pour rassurer parents, pour rassurer professeurs, pour rassurer tout le monde qui est impliqué. Mais on fait un petit parler rapide sur qualité nutritionnelle là. Est-ce que dans ce sens ça tout et pas un élément important pour ta dire et parents yo parce qu'on est dans le pays d'Haïti depuis on manger un petit gens peur est-ce manger à bon est-ce manger à gâté etc. Donc qui sont qu'a dit dans ce sens ça tout pour assurer parents côté on va dire que ben timonio mais la pression bon plat chaud mais qui qualité plat chaud ça est-ce que la convenu à timonio vraiment? OK, merci. Et que nous-mêmes depuis nous entrer dans PNCS, c'est un souci que nous fait. Nous dit nous pas qu'arriver dans l'école côté que si mon non bail manger pour manger et puis regarder professeur ou même qui vient faire visite là qu'on pas qu'à chita pour manger avec timon là.
Ça veut dire si vous avez dit que vous mangez, ou même comme professeur, il faut que vous chita pour accompagner vous pour manger ensemble avec vous. Et là, nous parlons de manger de qualité, nous parlons de conditions hygiéniques que manger autour de vous. Il y a de l'école et situation très difficile, côté que l'on a visité au sacré l'infrastructure, que ce soit cuisine et bloc sanitaire à l'école. Nous sensibiliser ou quoi nous rencontre avec eux jeudi prochain 10h pour continuer sensibiliser sur question ça pour que mes blocs sanitaires mes cuisines et pour année ça l'école direction l'école yo et prend responsabilité pour que timon yo même manger ou y a servi timon yo servi timon yo manger dans des conditions hygiéniques nous servi timon yo avec un pile respect et que nous dit encore nous-mêmes PNCS nous gagne des agents de suivi et moi comme responsable moi bah je suis derrière le bureau toujours accompagné agent moins nous faire des visites surprise pour nous sûr que manger yo à la plate ti moun yo et m'a profité espace là tout pour me dire et directeur l'école du PNCS là pour bail nos services PNCS là pour accompagner nous PNCS pas un gendarme qui là pour bail directeur ou pression mais PNCS là pour faire appliquer des principes et pour que ti moun yo nous sur là nous bail manger yo et manger aller exactement dans plat ti moun yo et c'est pour nous terminer pour nous terminer et c'est pas seul c'est vrai que nous l'État PNCS est l'unique institution étatique l'État mettait là pour faire cantine contrôler opérer régulariser mais il y a l'autre partenaire qui dans domaine cantine dans tout n'a dit partenaire et Anessa vini puis près de PNCS parce que c'est PNCS l'État qui baille le ton non clair nous bon feuille de route nous dit mes modalités cuisine yo mais et qualité manger ti moun yo ap manger et pour nous vi partenaire national international pour que yo retrouve PNCS yo collabore avec PNCS pour que nous gagne plus ti moun pa nou ki manger côté que dans pile cob k'ap investi dans domaine cantine mais pour nous dire côté gagne plus cob pour que plus ti moun gagne accès en place. Très bien, merci beaucoup madame Laguerre et ben j'ai annoncé elle n'a ou te profiter by dernier vos pas où et madame Laguerre et n'a by ministre éducation nationale a lui-même possibilité pour clôturer émission c'est ainsi que n'a tourné nous vers monsieur Pierre et est-ce que on gagne droit dire justement dernier mot pour toutes téléspectatrices téléspectateurs maman papa petit ti moun tout k'ap gade nou quelques mots et justement pour bus dignité 3 septembre qui j'en ça va le passer qui dernier qui j'en va le passer nous prenons dans la rue comme d'habitude même genre donc on toujours fait n'a pas service et surtout à ça nous voulons vraiment fois ça capable bail service à tout monde qui va à l'école en soirée donc ça c'est objectif pour Anessa définitivement il faut que nous fassions ça parce que tout monde qui va à l'école en soirée il y a très grande difficulté les après-midi le soir et faut que nous réussissions bail service ça vraiment quelle que soit contrainte. Très bien. Madame Lamure, ministre jeunesse sport et action civique, un dernier mot pour tout le monde qui a suivi nous. 3 septembre fait bien. Qui ça va dire? Tout papa, maman, Timoun? Dernier mot, tout brigadier ministre de jeunesse sport et action civique à Malawi. Déjà, depuis j'en désigne tout à l'heure, le 31, n'a pas gagné une séance sensibilisation et consigne à profiter. Bah, anticiper quelques consignes que brigadier pour le bail. Premièrement, c'est respecter Timounio qui va à l'école, respecter brigadier tout parce que y a un message qui a bail. C'est eux-mêmes qui peuvent accompagner Timounio, chauffeur et autobus, chauffeur camion, chauffeur motocyclette. Faut qu'ils respectent les consignes de circulation ou ils ne peuvent pas mettre Timounio en danger et assurer tout que ils vont aller dans un esprit sain et m'a profité du jeune mieux sous permettre. L'école l'a bralouvée, vacances l'a fini, il est temps pour que, on dit, chanson ministère, c'est craser bête nous, et puis pour nous cas assurer à venir nous, futur pays. Merci Madame Lamure, le mot de la fin, ministre Adet. Bon, depuis longtemps, chaque année, c'est toujours même pépé blanc, dans les classes qui font des crises économiques. Oui. Et Anessa, ça a pris mon plaisir, action gouvernementale au municipal d'Anessa. Non seulement on est en tout point de vivre, question et paiement envoyé l'État, qui est annoncé du 16 au 23 août, depuis le 13 août, nous tout touché.
et la présidence tout l'État qui peut appuyer bah, tout le monde pour être de l'école là, notamment avec question et pour salaire. Ça devient plus un salaire qui est égal à 25 000 gouttes. Il va au 100% pour entrer à l'école là, comme appui. Ça devient plus que 25 000, il est 46 000, 50%. Plus que 46 000, 25%. On a parlé d'employé l'État. Employé l'État. Et non seulement employé l'État joue, mais tout le monde joue tout. Et l'État fait à travers le ministère de l'Éducation nationale qui a une subvention pour entrer à l'école là. Quand nous déjà gagné plus de 20 000 dossiers, en pile nous déjà traité, nous allons continuer à traiter. Et ce n'est pas seulement dans l'Ouest, c'est à travers tout le pays. Quand nous passons par la direction de l'État pour nous subventionner par un pour entrer à l'école là, capable de passer facilement. Ministre, nous avons introduit l'émission ça, nous avons dit que entrer à l'école, c'est gratter tête, c'est tête chargée. Et Anessa, pas de gratter tête, pas de tête chargée. L'État, sous impulsion président Jovenel Moïse, il prend toute disposition. Exactement. Donc l'État comprend une situation économique qui est difficile, héritage qu'il nous joigne tout. Mais ou Anessa, toute action qui est multipliée, non seulement il y a une subvention sous affaires manuelles scolaires, une dotation, un appui pour la rentrée de classe avec le gouvernement, avec l'État, avec la présidence, mais il y a l'autre bagaille tout qui vient de rentrer et toujours en ligne de compte et c'est toujours pour rentrer l'école là. Très bien. Pour être capable d'appuyer mon lieu, regarder appui qui peut bailler, considérer l'école dans une zone défavorisée, tant que l'école protestante, l'école presbytérale, et puis surtout, et mais accent qui mettait sur tout le monde petit dans toute zone défavorisée à travers tout le pays, et bien la présidence rentre là par le truchement du ministère pour aider Timoun Sao dans l'école scolaire. Eh bien, à remercier nous toutes qui ont accepté l'invitation de nous aujourd'hui pour nous rassurer, pour nous expliquer, maman, papa, Timoun, tout le monde en fait qui est impliqué dans notre école là, eh bien, qui disposition, qui mesure, qui prend dans le domaine panneau, dans le secteur panneau, pour rentrer l'école là lui-même, eh bien, il passe soi, c'est une cadre comme ça. Merci beaucoup. Merci, amis téléspectateurs. C'était donc la première émission de ce genre. Il y aura une deuxième pour parler justement de tout ce qui a trait à la sécurité, à la circulation. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour la deuxième émission.